Hello tout le monde, comment ça va? Voilà, prochaine vidéo, comme l'indique le titre, ouverture de colis, qui est là. Donc on va bien voir ce qu'on a reçu de beau. Bah allez, sans plus attendre, on va commencer l'ouverture. Allez, c'est parti. Bon, allez, voilà, déjà, une petite paire de ciseaux, hein. On va ouvrir ça gentiment et proprement. Alors. Hop. On va poser ça, le carton à côté. Ça, je vais vous déballer à fur et à mesure, comme ça vous verrez ce qu'il y a. Allez, voilà. En tout cas, c'est bien emballé, c'est déjà bien. J'ai même droit à la facture aussi. Et le descriptif de ce que j'ai reçu. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 Funko Pop. Alors. On va commencer par la première, pas celle-ci. Alors. Et en plus, c'est emballé par, comme vous voyez, papier bulle. Moi, ils prennent soin de l'emballage et de l'envoi. Alors, la première que nous ouvrons, allez, viens voir là, hop, si, c'est une Funko Pop de Kingdom Hearts, c'est Riku, avec sa petite Keyblade, elle a l'air d'être sympa, je vais vous l'ouvrir puis vous la montrer de plus près, ça vous allez pouvoir voir un peu la tronche qu'elle a. Hop. Hop, allez, voilà, allez hop, la voici, en espérant que ça zoom assez, que vous voyez comme il faut. Elle est jolie, sympathique. Alors ça, c'est un collègue à Sora dans Kingdom Hearts. Donc pour l'instant, on va la remballer pour la mettre comme il faut. Allez hop, on va essayer de la remettre à sa place. Hop, hop. Hop là, voilà. Alors ça, c'était notre première Funko Pop de notre nouvel arrivage. La seconde. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on va prendre celle-ci. Hop. Ah, celle-là, elle me tient à cœur. Je vais vous la déballer puis je vais vous montrer de laquelle c'est. Voici la prochaine. C'est Luffy de One Piece. Alors si certains ne connaissent pas One Piece, c'est en animé. Ça doit faire en tout cas bien 10 ans que ça existe. Ça existe. Comment vous expliquer? Ceux qui adorent tout ce qui est piraterie, style Pirates des Caraïbes, c'est à vous d'aller regarder cet animé, parce que c'est un jeune garçon qui veut devenir pirate. Donc il est en train de monter son équipe et partir en mer, s'il veut devenir le roi des pirates. Évidemment, tout se passe pas comme prévu, mais il a un super pouvoir, c'est un homme élastique, parce qu'il a mangé le fruit, il a mangé un fruit, il s'appelle déjà comment, c'est le gomme-gomme élastique, donc en fin de compte, bah voilà, il est totalement élastique. Donc là, je viens de vous déballer la figurine, je vais vous la montrer, voilà comment elle est vraiment sympathique, avec son magnifique chapeau de paille. Ah oui, parce que évidemment, dans One Piece, son équipage s'appelle. C'est l'équipage au chapeau de paille. Parce qu'en fait, Luffy s'appelle Monkey D. Luffy. Dit chapeau de paille, évidemment, vous avez compris avec le. Voilà, hein. Donc, elle est vraiment sympathique comme série. Donc, vraiment, je vous la conseille. Donc, voilà. Là, dans la première vidéo, j'avais déjà pris en Funko de cet animé,
C'était Chopper. Donc il y en a d'autres qui suivront justement de cet animé. Évidemment, ça fait longtemps que je la suis et elle est vraiment bien. Elle monte en puissance. Donc elle est vraiment sympathique. On essaie de remettre ça sans rien casser dedans. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Allez. La prochaine sur laquelle on va aller. On va prendre celle-là, comme ça on va changer un petit peu. Là aussi, ça, celle-ci allie plusieurs, plusieurs choses de ma chaîne en même temps. Donc les Funko Pop et le monde de Disney, vous allez comprendre. Voici la prochaine Funko Pop, c'est sur Disney, c'est Mickey. Et comme vous pouvez le voir, c'est une spéciale pour les 90 ans. Alors je vais vous expliquer, en fait, si vous voulez, Mickey, ça fait 90 ans qu'il existe. Enfin, 90 pour nos chers amis français. Donc justement pour ces 90 ans, ils ont créé une édition spéciale. Parce que si vous voulez, avant Mickey, Walt Disney avait un autre personnage qui s'appelait Oswald, donc, dont voici la photo. Et ce personnage n'appartenait pas qu'à Walt Disney. Donc pour avoir son propre personnage et puis pour pas qu'on en kikine, il a dû créer un nouveau personnage, dont Mickey, qui est maintenant l'effigie de Disney. Donc là, c'est un Funko Pop de Mickey où c'est il a quoi ? Il a sa petite baguette pour l'orchestre. Donc voilà, il a vraiment une tête sympathique. Je vais vous montrer. Je la trouve un peu plus petite. Elles sont un petit peu plus petites que les autres Funko. En taille, elle est un peu plus petite, mais elle est vraiment elle est sympa. Là. Il a sa petite baguette ici pour commander Disney. Donc voilà. Elle est vraiment sympa. Par contre, ouais, un petit peu petite comparée aux autres. Ouais, il y a quand même une petite différence de taille. Pas grand chose. Hein. Là, je chipote. Hein. Mais elles sont vraiment jolies. Allez, on va ranger celle-là là aussi. Hop. Voilà. Après, c'est bien, hein, tous ces Funko Pop, mais il faudra encore trouver de la place. Hein. Bah ça, vous avez vu dans l'armoire derrière, il y a encore de la place. Hein. Je peux remplir. Allez hop, pour l'instant, celle-ci là. Et puis voilà, la dernière. Alors, on va déballer tout ça aussi. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elles sont vraiment bien protégées. Et voilà, alors la dernière pour aujourd'hui, c'est toujours sur le thème de One Piece. C'est 16 euros. Donc en futur. Enfin, en futur. C'est un équipier de Luffy dans One Piece. Et lui, c'est l'épéiste. Donc il n'a pas mangé du fruit du démon. Voilà, c'est le mot que je cherchais avant pour Luffy. C'est le fruit du démon. Donc Luffy, il a mangé le fruit du démon, mais pas Zoro. Zoro, c'est vraiment un épéiste. Et vous allez pouvoir voir, voilà, je vais vous la montrer, pour que ça fasse là, voilà. Là, comme vous pouvez voir ici, je vais vous la tourner juste un petit peu, il a ses trois sabres, juste là. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, je vais ranger aussi celle-ci. Ah, voilà, là, on a déballé déjà le... La nouvelle commande, alors je vous assure, il y en a une autre qui devrait bientôt arriver de commande aussi, dont avec des nouveaux personnages de Disney, de One Piece, normalement, si je ne me trompe pas. Et je sais plus encore avec quoi. Ça sera la surprise la prochaine fois. Hein. Mais bon, là, on a déjà un petit panel. Hop. Donc, on va ranger tout ça après. Donc, voilà, c'était la seconde vidéo d'ouverture avec des Funko Pop. Donc, si cela vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous avec un petit pouce bleu. Et puis vous abonner à ma chaîne, ça peut être cool. Allez, à bientôt, ciao, ciao!